So I hope you guys are having a beautiful day today, because I am Grace is back again with a brand new video. Like, y'all, hey, did you guys miss me? You don't need to answer that, I already know it's a yes. Before you get this video started, I have three things to tell you guys. The first thing is that I'm sorry because lately I've not been posting a lot. Second thing is that this video is going to be a story time in French, because lately I realized your girl is having a lot of French subscribers subscribing to her channel, so they're reclaiming French videos. And to be fair enough, that's the third thing I want to tell you guys. I'm switching this channel off. So if you see a French video and then you want to watch my video, don't worry, I got you with the English subtitles, okay? Just bear with me, because at this point I just don't know what to do. I know you don't speak French, but stay if you don't, and if you do and you're bilingual, that's even better. Graciously Grace fait sa première vidéo en français. Oh là là, on a donc pas nous. L'histoire que je vais vous expliquer m'a donné un peu la chair de poule. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, si ça m'a touchée, ça peut vous toucher. C'est une histoire qui s'est passée récemment dans la vie d'une de mes amies. Et avec son consentement, elle m'a donné l'autorisation de vous l'expliquer. Faites-moi signe dans les commentaires à la fin de la vidéo qu'est-ce que vous pensez de l'histoire, la morale de l'histoire et tout. Je vais pas donner les noms des personnages. Donc l'acteur principal, bon, pas l'acteur principal, mais ma copine, on va l'appeler... Aurélie. Aurélie, c'est une fille unique de 18 ans qui était élevée dans une famille chrétienne catholique. Donc chaque dimanche, il y a la messe. Avant de dormir, on fait le signe de croix. On prie notre Dieu et tout ça. Aurélie avait pour meilleure amie une vampire qu'elle a réalisée après, qui était vampire. On va l'appeler quoi? Joséphine. Oh oui, Joséphine est parfaite. Parfait. Joséphine et Aurélie étaient toujours comme ça. À l'école, quand tu vois Aurélie, tu vois Joséphine et vice-versa. Donc un jeudi, Joséphine va voir Aurélie et elle lui dit: oh Aurélie, il y a une fête qui se passe ce week-end, il y aura beaucoup de célébrités, je veux que tu viennes. Aurélie lui dit que non, c'est pas trop possible. Et aussi, il faut que je demande à mes parents. Joséphine se fâche et dit: mais pourquoi tu dois toujours demander à tes parents que moi je t'ai appris à fuguer? Si tu ne fugues pas, bon, on n'est plus amis. C'est dans ça que Aurélie a dit: bon, tu sais quoi, je vais juste fuguer. Gardez en tête que Aurélie n'était pas comme ça avant. C'est après qu'elle a connu Joséphine qu'elle commençait à fuguer la maison. Même ses parents ont réalisé que son comportement changeait. Donc le jour de la fête arrive, Aurélie a fugué, elle a retrouvé Joséphine, elles se sont amusées, elles ont dansé, fumé, bu. À la fête, elle rencontre un gars, bon, on va l'appeler Pascal. Oui, Pascal. Pendant la soirée, il y avait un feeling qui se passait entre Pascal et Aurélie. Vous voyez, non, les petits. Hein? Donc c'est comme ça, ils ont échangé les numéros, ils ont commencé à parler. On va avancer un peu l'histoire. Après 6 mois de relation avec Pascal, Aurélie décide de partir voir ses parents parce qu'elle pense que cette relation peut aboutir au mariage. Elle va voir ses parents. Ses parents ont dit non. En fait, Pascal était connu comme un DJ rappeur. Il était vulgaire. Il avait toujours les piercings, les nouveaux tatouages. Les mecs descendent ses pantalons. Ils n'ont pas aimé de la manière qu'il était. Aurélie s'est fâchée, elle a pété un câble. Elle est sortie, elle a claqué la porte et puis elle est partie voir Joséphine, sa copine. J'espère que vous êtes bien assis parce que c'est là où l'histoire devient intéressante. Aurélie va voir sa copine et puis elle lui explique la situation. Donc Joséphine s'est fâchée. Elle lui a dit: mais comment tes parents ne peuvent pas accepter quelqu'un aussi doux, attentionné, gentil? À ce moment-là, Aurélie se dit: comment tu sais qu'il est doux, il est attentionné et tout ça? Joséphine était en mode: oh non, 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 c'est juste de la manière que je vous vois. Aurélie en larmes lui dit: moi je ne me vois pas vivre sans Pascal, donc il faut que tu m'aides. Joséphine a regardé Aurélie droit dans les yeux et lui a demandé: est-ce que tu es prêt à tout, vraiment tout, pour que tes parents acceptent Pascal? Aurélie lui a dit: oui, je suis prête à tout. Joséphine lui dit: ok, comme tu dis que tu es prêt à tout, je te retrouve dimanche avec 2 poulets, 2 œufs et 1 photo de tes parents côte à côte. Aurélie a dit: ok, y a pas de problème. Aurélie, si tu savais. Le jour J arrive, Aurélie vient avec 2 poulets, 2 œufs, 1 photo de ses parents. Et Joséphine lui dit: ok, voilà comme tu as tout apporté, tu es prêt pour la suite? Aurélie dit: bon, je sais pas vraiment de quoi tu parles, mais bon, qu'il n'y a pas de problème, je suis prête. Joséphine lui dit: ok, comme tu dis que tu es prête, je vais te présenter un de mes marabouts et tu vas devoir vendre l'âme de tes parents pour que tes parents puissent accepter Pascal. Arrivée devant le marabout, Aurélie réalise que Joséphine était vraiment sérieuse, qu'elle ne s'amusait pas. Aurélie lui dit non, qu'elle vient d'une famille catholique, qu'ils ne cautionnent pas la sorcellerie et tout ça. À ce moment-là, Joséphine a pété un câble. Elle dit: mais pourquoi tu parles de l'église catholique? Ici, nous, on venait Satan, tu n'as pas le droit de parler de ça. Avant que Joséphine finisse de parler, Aurélie avait déjà fui. Elle est partie directement à l'église. Elle a parlé de ça à son pasteur et son pasteur lui a dit que, en fait, elle était
étaient sous l'influence d'un chat mystique. C'est ainsi qu'ils ont fait les prières, les louanges, elle était délivrée. Quelques mois après, à travers les rumeurs dans son école, Aurélie réalise que Pascal et Joséphine sortaient ensemble dans le monde mystique. Et aussi, pour qu'ils deviennent humains, ils doivent attraper les vies et puis les donner en sacrifice. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à Aurélie. Ils ont essayé de prendre l'âme d'Aurélie, de ses parents, pour qu'ils puissent continuer à être humains. Donc, il faut faire très très attention parce que le monde, il est méchant. Le monde, il est hypocrite. Il y a deux choses qui m'a vraiment touchée dans cette histoire. La première chose, c'est que l'ennemi n'est jamais loin. Il est toujours proche. La deuxième chose, c'est le fait qu'il faut faire attention parce que tu peux dire que, oh, c'est ma copine, oh, elle-même et tout ça, mais en fait, c'est pas le cas, tu vois. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a pas fait trop peur. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Dites-moi, vous avez aimé cette story time, la morale de l'histoire, plus de vidéos, moins de vidéos. Graciously Grace, on adore, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard. Juste, sinon, abonnez-vous pour ne pas rater chaque fois quand je poste une vidéo, que ce soit en français ou en anglais. Et si c'est en anglais, ne vous inquiétez pas. Il y aura des sous-titres en français. Donc, vous voyez, vous n'avez pas d'excuse de ne pas vous abonner à ma chaîne, ok? Vous n'avez pas d'excuse. Et aussi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que chaque semaine, vous allez voir mon visage. So, I'll catch you guys next week on a brand new video. Bye!